Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler d'Octobre Rose, du cancer du sein, de prévention, de tiers-mieux, de citoyenneté française, de devise républicaine, de naturalisation. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes. Je suis en train d'écrire après le générique, mais ça a commencé. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Merci, oui. En tout cas, merci à mes deux invités d'être là, d'avoir répondu à mon invitation. Il y a Marie-Christine Scarron-Duféal. Comment ça va, Marie-Christine? Très bien, Barbara. Merci pour l'invitation. Merci d'être là. Il y a Jessica England. Comment ça va? Très bien aussi. C'est un super nom, England, hein, pour une Anglaise. Mais qui n'est pas que anglaise maintenant, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais tu es encore anglaise? Je suis encore anglaise, oui. C'est une double nationalité, en fait. English and French. English and French. Absolutely. OK. En tout cas, merci Jessica. Merci Marie-Christine d'être là, toutes les deux, pour parler des thèmes que nous allons aborder. J'ai un petit peu donné les thématiques, hein, le programme, on va dire, avant le générique. Mais je vais vous laisser vous présenter. English first. You want me to speak in English? No, I don't want you to speak English, mais vas-y, présente-toi, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Jessica England. Je suis née en Barbade, des parents anglais. J'habitais quasiment toute ma vie en Sainte-Lucie. Enfin, ce n'est plus le cas, au moins jusqu'à 18 ans en Sainte-Lucie. Après, j'ai fait mes études en Angleterre et en Jamaïque. Alors, je suis un personnage très caribéen et fier. Mm-hmm. Et mon nom England, c'est mon nom de jeune fille. Je suis mariée Vanna Jourou. Qui est un nom martiniquais que vous connaissez sûrement. Du François. Oui. C'est l'ancien mon beau-père. Mon beau-père. Okay. C'est un homme charmant et malheureusement, il n'est plus avec nous. Mm-hmm. Mais voilà, ça c'est moi. Oui, mais c'est vite dit. J'étais là. En fait, tu es une voyageuse, tu as des ailes dans ton dos, je m'appelle Petit Pigeon et je voyage dans la Caraïbe, dans l'Angleterre, etc. What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi dans la vie? Tu as la pub souvenir, donc on suppose que tu vends des souvenirs. Ouais, tout à fait. Je suis. Non. Well, mes parents, oui. Mes parents viennent de. On est entrepreneurs de base. Mm-hmm. Ma mère était artiste et mon père a eu beaucoup de boutiques de souvenirs dans les îles anglophones. Okay. Une fois en Martinique, à peu près 5 ans après avoir été installé ici, il a décidé d'ouvrir une boutique, mais de devenir grossiste. De souvenirs au lieu de détaillants. Mmh. Et on a fait ça à 4. C'était ma maman, mon père, mon mari et moi. Et on a ouvert Souvenirs Tropicaux il y a 30 ans. Aujourd'hui, elle a 32 ans. Et je suis l'heureuse gérante de cette petite PME qui a survécu des années de haut et de bas, mais elle est encore présente. C'est où? Vous êtes basée où? On est dans la zone industrielle à Lézarde. OK. C'est, voilà. Et on a 2 boutiques en détail aussi, en Sainte-Anne et au Pointe-du-Bout. On a diversifié un peu. On vend aussi du matériel de jardin. Avec le déclin de tourisme, on était obligé de se diversifier. Pendant le COVID? Le COVID, non. Le COVID est récente. Ça, c'est une descente de l'économie touristique pendant à peu près 15 ans. Okay. Chaque année, ça descendait. Ça s'est stabilisé juste avant le COVID. Et pouf. Absolument. Ça, c'est les aléas de la vie économique. Et ça remonte là ou pas? Ah oui, tout à fait. Ça a bien, bien remonté. Okay. Et on a aussi diversifié dans la vente de matériel équestre, mm-hmm. parce que mon mari était passionné de cheval. Mm-hmm. Moi aussi, mais je n'avais jamais monté à cheval avant de venir en Martinique. Et là, on vend aussi du matériel équestre. Alors, c'est assez diversifié, mm-hmm. mais c'est ça qui nous a, je pense, permis de continuer à exister, mm-hmm. La diversification, et voilà. Qu'est-ce qui te définit? Alors, tu parlais de matériel équestre, mais je vais faire ma vilaine, je vais faire allusion à tes cheveux, puisque avant de commencer, on parlait des cheveux de ta belle queue de cheval. Qu'est-ce qui te caractérise? Tu parlais de ton caractère rebelle en parlant de tes cheveux. Qu'est-ce qui te caractérise? Si je dis Jessica, 3 mots pour définir Jessica, tu te dirais quoi? Ouh! Caribéenne, okay. Déterminée, oui. Et une maman. Une maman? Voilà. Et tu as pas parlé de tes enfants? J'ai 2 garçons, mm-hmm. qui sont ma meilleure réussite, je pense, de tout ce que j'ai fait, qui ont maintenant 28 et 26 ans, oui. que j'adore, qui sont en train de faire des études, enfin,
Et tu avais commencé à t'émuer de dire oui, ça. Oui, oui. Ah là là, mais voilà pourquoi on ne peut pas parler de ça. Voilà. Okay, c'est vraiment, ouais. C'est, je les adore. C'est vrai. Oui, mes garçons, c'est voilà. Vraiment. Ça c'est, te caractérise. Ça. Oui. Voilà. Tu as vu comment fait. Tu ne nous as pas dit d'abord que tu étais maman, mais tu as vu, ça te met la larme à l'œil. C'est donc, pour ça qu'elle on te fait. Laisse respirer. Marie-Christine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, Marie-Christine Scarron Dufayal. Donc, Scarron, c'est mon nom d'épouse. Mm-hmm. Dufayal, mon nom de jeune fille. Donc, j'ai 48 ans. Oui. Je le dis haut et fort parce que je n'ai pas encore 50 ans. Toutes mes amies ont déjà 50 ans. Donc alors, je redis 48 ça, ans ça avec... Va t'arriver, ça c'est va tout arriver, c'est ça tout arrivera, ce que te souhaite, Doudou ça arrivera, ça arrivera, voilà. J'ai deux enfants, oui. Une fille et un garçon. Ma fille est étudiante, mon fils est étudiant également, voilà. Donc là aussi, les enfants, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose d'important dans la vie... pour une maman, dans pour la une tienne, femme et dans la dans mienne. La tienne. À quel point c'est important dans ta vie? Ben, moi, je viens d'une famille assez nombreuse, donc j'ai 5 frères, mm-hmm. Et je suis la seule fille de mes parents. Et voilà, avoir des enfants et avoir une vie de famille avec des enfants autour de nous et grandir avec voilà, des conflits voilà, fraternels, c'est quelque chose voilà, qui m'ont fait évoluer. Et je me suis dit voilà, il est important aussi d'avoir des enfants pour voilà, avoir une vie de famille. Voilà. Tu étais attachée à ça ? La vie de famille, en fait, voilà, ma famille Dufayal, c'est, voilà, c'est la famille Dufayal. C'est des choses que tu as proches parce que et élargies. Jessica a dit, c'est des choses que j'ai construites, c'est ce terme que tu as utilisé, en disant que tu étais fière, en fait. Ta plus grande réussite, voilà, voilà. Oui. Ta plus grande réussite, c'est tes enfants, je crois que c'est ce que tu as dit. Mm-hmm. Tu parlais de des entreprises que tu avais effectivement fait avec ta famille, mais ta plus grande réussite, c'est ce que tu as dit, ce sont mes deux enfants. Tout à fait. Ma mère nous a éduqués en disant que la famille, c'est quelque chose de très important. Et moi, j'ai vraiment voilà, grandi comme ça en me disant qu'il est important de construire sa propre famille et de vivre dans une famille unie. Mais c'est famille, sa famille, vraiment, parce que c'est ta famille proche, ce sont tes enfants, ton mari. Proche et élargie, et très élargie. C'est pour ça que je dis la famille Dufayal pour moi. Enfin, voilà, je salue les cousins de Balata. De Balata, d'accord. Voilà, les cousins, la famille très élargie et très importante. On a colonisé tout un quartier et on aime la famille. Voilà, c'est très important. Et donc, tu es aussi militante, donc tu es travailleur social. Alors, je suis travailleur social. Je travaille dans une association qui accompagne des personnes handicapées. ADAPI. Okay. Voilà. Donc, je suis directrice générale adjointe. Mm-hmm. Depuis peu. Avant, j'ai été directrice. Voilà. Enfin, depuis janvier. Donc, j'ai été directrice d'abord dans cette association, éducatrice spécialisée tout d'abord en y entrant. C'est un parcours que j'ai toujours choisi, le travailleur social. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée parce que justement, j'ai grandi, moi, dans mon entourage et dans ma famille. Il y a une tante qui est encore vivante, hein, qui a 93 ans. Qui est en situation de handicap. Et quand on est enfant, 93 ans, je ne comprenais pas, il n'y avait pas d'explication pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle ne parle pas, pourquoi elle ne s'adresse pas aux gens, pourquoi elle n'est pas à l'école, pourquoi elle ne travaille pas. Pas de réponse. Donc, en faisant ce métier, je me suis dit que j'allais trouver peut-être les réponses à toutes ces interrogations. Je ne les ai pas forcément trouvées, mais bon, j'ai eu quelques réponses. Et voilà, ça m'a passionnée. Les travailleurs sociaux, précisément, c'est quoi? Ça recoupe plusieurs réalités, peut-être? Alors, être éducateur spécialisé, c'est déjà une fonction dans le travail social. Donc, l'accompagnement de proximité, c'est ça qui m'a vraiment le plus intéressée. Voilà. Accompagner des personnes qui ne peuvent pas par elles-mêmes, justement, trouver des solutions et qui ont besoin d'un soutien. Et c'est pour ça que je dis, la famille, c'est aussi important, parce que moi, j'ai grandi dans une famille où on était vraiment soutenus les uns les autres. Donc, voilà, c'est dans une continuité de vie. Oui. Pour moi, ce métier. Donc voilà, je continue à le faire avec beaucoup de passion et d'énergie. On a échangé tout à l'heure avec Jessica. Mm-hmm. Et voilà, le monde du handicap, c'est quelque chose qui me passionne. Et puis, par ailleurs, donc, tu es active aussi dans une association dont on parle beaucoup pendant le mois Octobre Rose, qui est l'association Matété, qui est portée par Nathalie Chilan. Mais toi, tu es une bénévole militante parce que tu es concernée par le cancer du sein et puis tu agis aussi aux côtés des femmes qui viennent vous voir. Alors, tout à l'heure, tu as demandé à Jessica quel serait un des mots qui les caractérise. Excuse-moi, je n'ai pas encore posé la question. Quels sont les trois mots qui veulent te caractériser, s'il te plaît? C'est vrai, c'est vrai. Alors, justement, le militantisme, oui. C'est pour ça, parce que je suis quelqu'un... Alors, je suis très engagée de manière générale au niveau associatif, même au niveau des associations sportives.
Je suis arrivée à l'association Matete, puisqu'il faut quand même dire comment j'ai connu et pourquoi je milite dans cette association. Je suis arrivée dans cette association en... Alors aussi, moi, je suis émue parce que c'est... je suis dans un parcours de corps de soins. En fin d'année 2021, je suis rentrée dans cette association parce que je me suis retrouvée avec un diagnostic de cancer du sein, avec tout un parcours de chimio, et voilà, que je ne vais pas forcément détailler là tout de suite. Et j'avais besoin d'entendre d'autres personnes qui pouvaient échanger avec moi sur leur parcours, sur leur expérience, sur leur vie. Donc, cette association, j'ai entendu parler de Nathalie, que j'ai appelée, qui m'a rappelée. Et c'est la première personne à qui j'ai évoqué, quelqu'un de l'extérieur à qui j'ai évoqué, que j'avais un cancer du sein. Voilà. Donc, Et tu l'avais dit dans ta famille? Et je l'avais déjà annoncé, non, à mon époux. D'accord. Pas encore à mes enfants. D'accord. Donc, quand j'ai appelé Nathalie, c'était parce que j'étais incapable de le dire à mes enfants et je ne savais pas trop comment il fallait l'aborder. Et elle t'a aidé, On a construit une réponse ensemble, et puis effectivement, c'est mon époux qui a fait l'annonce à mes enfants, et ça a été un cheminement qui a commencé comme ça. D'accord. Donc Matete et cette association qui, effectivement, au mois d'octobre rose, on en parle beaucoup, comme d'autres associations qui défendent les personnes atteintes de cancer du sein, c'est une association de proximité. Donc... on a beaucoup de femmes, effectivement, qui viennent et qui ont besoin de soutien, comme moi, pour des parcours ou des raisons totalement différentes. Mais quand on y est, on cherche des informations, on cherche un accompagnement. On a besoin d'une sœur, d'une maman, De quelqu'un, d'une écoute. Peut-être qui passe par les mêmes expériences. Par les mêmes expériences qui comprendront vraiment ce que nous sommes en train de vivre réellement. Voilà, c'est ça. Tu connais cette association, Matete, Jessica? Non, pas du tout, pas du tout. J'apprends, je trouve ça formidable de trouver des femmes militantes. Et qui à l'écoute, en fait. Oui. Parce que la difficulté, c'est ça, en fait. Tu ne savais pas comment annoncer ça. Et à ton mari, tu l'as dit facilement? Alors, le cancer du sein, c'est quelque chose qu'on peut découvrir parce qu'on n'est pas forcément proche de son corps et on est très surpris. Moi, j'étais quand même dans un parcours où j'étais déjà en surveillance, pas forcément de cancer, mais bon, j'ai pas beaucoup de poitrine. Donc, toute anomalie se ressentait très, très, très facilement. Donc, depuis quelques années, j'étais dans un suivi particulier pour comprendre l'évolution de ce que je pouvais ressentir. Et puis, effectivement, en 2020, on a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est à ce moment-là, mais mon époux, c'est mon époux, donc il a bien vu, lui aussi, qu'il y avait une différence au niveau d'un sein. Mm-hmm. Et lui aussi, il a été très attentif et il a été la première personne à qui j'ai annoncé, il était présent d'ailleurs, que c'était bien un cancer. Assez souvent, c'est ça. J'ai entendu déjà, j'ai des copines qui sont passées par un peu le même parcours, où c'est le mari ou le partenaire, justement, qui s'est rendu compte. Et c'est important au moment de la prévention. Justement, on va encore en parler, mais au moment de la prévention, il est important de dire, on va dans les écoles, on va dans les entreprises pour sensibiliser les hommes. Parce qu'ils ont des épouses, des enfants, des mères qui peuvent effectivement être malades. Et il faut regarder les personnes avec qui on est, il faut les regarder en profondeur. Voilà. C'est ça. Et alors, donc, quelques chiffres. Donc, en Martinique, donc, ça, ce sont les données de l'ARS, donc qu'on trouve sur le site de l'ARS. Donc, près de 250 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Le cancer du sein, le cancer le plus fréquent chez la femme. 33% de l'ensemble des cancers. C'est aussi la première cause de mortalité par cancer, avec près de 60 décès par an. Pourtant, s'il est détecté tôt, c'est pour ça qu'Octobre Rose, c'est important de rabâcher les choses. S'il est détecté, c'est-à-dire si on fait de la prévention, le cancer du sein est guéri dans 9 cas sur 10. Ouais. Tu fais, toi, de la prévention? Oui. Oui. Parce qu'on reçoit des choses, on peut faire à notre âge. Enfin, moi, je sais qu'à mon âge, je reçois un papier, aller faire la mammographie, c'est gratuit. Mm-hmm. C'est comme d'ailleurs la coloscopie, ce qui n'a rien à voir. Mais on est, en France en tout cas, on est aidé, entre guillemets, pour faire de la prévention gratuitement.
Vive la France, justement. Vive la France, hein, vive la France, voilà, vive la France. Donc, pour combattre le cancer, la meilleure arme, c'est le dépistage. OK? Chaque année, près de 37 000 femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées à se faire dépister dans les 11 centres d'imagerie médicale implantés sur le territoire. D'accord? Autre chiffre, depuis le début de la campagne de dépistage en 2014, près de 1200 cancers du sein ont été diagnostiqués dans le cadre de ce programme organisé. À noter que 8% l'ont été grâce à la seconde lecture, etc., etc. On va parler un petit peu aussi des facteurs, disons, de prévention, outre le dépistage, mais comment on peut faire, et ce qu'on peut faire aussi quand on a le cancer, et comment MaTT accompagne les femmes. On va parler aussi de la citoyenneté, mais tout de suite, focus, jingle. Je suis toujours à chercher mes papiers, là. Avant de vous montrer une petite vidéo, je voulais vous parler, en fait, de cet article sur lequel je suis tombée, donc sur le site lemonde.fr. C'était début octobre, le 6 octobre, en fait, qui rendait compte d'un procès qui a eu lieu, à Rennes. Dans cet article, en fait, on parle de cette femme au tribunal de Rennes, la toute-puissance d'une mère et de l'intérêt de l'enfant. En fait, pendant ce procès, donc Stéphanie D a comparu parce que Stéphanie D a gardé son fils pendant 14 ans. C'est une femme qui est allée accoucher aux Philippines, c'est une Française qui est allée accoucher aux Philippines et qui est revenue, en fait, qui est passée sous tous les radars administratifs en France. Et en fait, à l'occasion de malaise qu'a connu son fils, elle a été obligée d'emmener son fils à l'hôpital. Et c'est là que les médecins, donc aux urgences, ont découvert un enfant donc de 14 ans qui mesurait 1,47 m et qui pesait 27 kg. Donc bien sûr, les services de la protection de l'enfance se sont mis en mouvement. Et donc ça aboutit à une plainte auprès du procureur de la République. Et elle a comparu donc, et elle a été condamnée donc par les trois juges. Les trois juges ont condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, au retrait total de l'autorité parentale. Elle était poursuivie pour soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation, et aussi de privation, était poursuivie, pardon, pour privation de soins ou d'aliments. Donc 14 ans, c'est une Française, elle accouche aux Philippines, elle revient en France et pendant 14 ans, elle est en face à face avec son enfant. L'enfant ne va pas à l'école, il ne va pas chez le médecin, elle ne travaille pas. Incroyable. Complètement. Complètement incroyable. Donc, ça t'inspire, toi qui es travailleur social. C'est pour quand on est travailleur social, ce genre de situation, ça nous bouleverse effectivement parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose qu'on a raté. Ouais, en même temps, ce n'est pas de la faute d'être travailleurs sociaux. Tout à fait, mais souvent, on se dit qu'il y a un biais par lequel on aurait peut-être pu s'infiltrer pour avoir une connaissance de l'existence de cette personne. Mais voilà, bon, là, visiblement, cette personne avait bien... masquer, cacher, les événements. Mais on se pose la question aussi, où est la famille? Aucune. Pendant 14 ans, Stéphanie D, donc je reprends cet article, hein, vraiment, du Monde, hein, il faut citer ses sources. Donc, pendant 14 ans, Stéphanie D a gardé son fils pour elle, pas de père, pas d'école, pas de médecin. Voilà. Mais c'est les parents à cette jeune femme. Elle était hors radar. Peut-être que c'était quelqu'un qui était asocial, exclu. Elle s'est exclue. Elle ne travaillait pas. Elle se baladait toute la journée dans la ville avec son enfant. C'est tout. Elle était face à face comme ça. Elle a fait la loi. Elle a été le tout de cet enfant jusqu'à ce qu'heureusement, enfin voilà, elle soit un petit peu repérée. Malheureusement, sur la base d'une maladie de l'enfant, quoi. L'enfant, alors on ne sait pas. Hein, on n'a pas la parole de l'enfant parce que le procès est à huis clos. Mmh. Voilà. C'est ça, on s'interroge parfois sur la capacité de la mère. Enfin, là, moi, je pense à plein de choses. Non, et puis quand même, la capacité aussi de notre société, quand même. Je vois bien un petit peu, Jessica dit, mais où sont les gens autour à délaisser ou ne pas connaître ce type de situation. À être alerté, mais c'est-à-dire que quand on a un enfant qui, effectivement, hein, qui est chétif, 27, voilà, 27 peut-être kilos, que les personnes autour pensaient qu'il s'agissait probablement d'un enfant. Peut-être qu'il n'est jamais sorti, l'enfant. Et peut-être qu'on ne le dit pas. Non, dans l'article, je n'ai pas la réponse à ça. C'est ça. Donc ça m'a interpellée parce que c'est vrai que, bon, on est dans une émission, on parle beaucoup des femmes qui font, des femmes extraordinaires, effectivement, et on en fait la promotion, des femmes inspirantes, extraordinaires, mais parfois, les femmes peuvent, pour des raisons qu'on ne connaît pas, mais peuvent aussi être dans des pratiques, des comportements qui sont bien sûr à dénoncer et qui, heureusement, là, sont condamnés. Je voulais vous parler d'un autre sujet en vous montrant cet extrait. 1,80 m pour 75 kg, le prototype de l'homme.
En médecine, ce modèle a longtemps fixé la norme. Conséquence, un manque de données sur les femmes, qui sont souvent mal comprises, mal diagnostiquées et mal soignées. Car les diagnostics et les traitements ont généralement été mis au point et testés sur les hommes, avant d'être simplement transposés aux femmes. L'idée erronée selon laquelle la femme ne serait qu'un modèle réduit de l'homme a longtemps prévalu. Mais les hommes et les femmes ne se différencient pas seulement par leur taille et leur poids. Leur masse graisseuse, musculaire et osseuse ne sont pas les mêmes, et leur métabolisme et leur système hormonal fonctionnent différemment. Or, tous ces facteurs déterminent notre façon d'être malade et la cause de notre décès. De fait, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais elles ont plus de problèmes de santé. Voilà, c'est vraiment un documentaire passionnant d'Arte, donc ça s'appelle La santé des femmes. Il est encore accessible jusqu'en décembre, donc sur Internet, sur YouTube, il me semble que c'est là que je l'ai vu. Passionnant, en fait. Ce documentaire explique, en étant en France, en Allemagne, comment finalement des diagnostics ou des symptômes sont mal interprétés parce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. On l'explique un petit peu dans cet extrait. Or, la plupart des essais cliniques qui sont faits sur les médicaments qui sont mis sur le marché sont faits à 80% sur des hommes. Alors qu'on est fait différemment, de sorte qu'il y a certaines maladies qui ne sont pas bien diagnostiquées ou qui sont mal diagnostiquées. Il y a des pertes de chances de vie à cause de ça. Ou alors parfois des maladies qui ne sont pas investiguées, sur lesquelles on ne fait pas de recherche parce que ce sont des maladies de femmes, par exemple l'endométriose, etc. Mais il est vraiment passionnant. Peut-être un mot sur l'extrait. Moi, on en parle beaucoup justement dans le mois de la prévention du cancer du sein, en tout cas d'Octobre Rose. Mm-hmm. Le cancer du sein atteint les hommes également. Oui. Et peu d'hommes, quand on fait nos interventions, sont informés de ça. 1% des hommes, quand même, ont un cancer du sein, généralement. Donc, c'est surprenant parce que pour eux, ils n'ont pas de sein, ils ont des pectoraux. Enfin, il y a aussi cette image... Oui. Que le sein, c'est pour allaiter. Le sein, voilà. Ou bien le sein, c'est proéminent. Oui. Voilà, ouais, c'est maternant, parce qu'on a quand même des hommes qui ont des poitrines un petit peu proéminentes, d'ailleurs. Oui. Mais c'est maternant, c'est effectivement. C'est maternant. Ouais. Donc, c'est en parallèle. C'est ce que ça évoque pour oui, toi. Oui, voilà, le cancer du sein chez l'homme. OK. Jingle, les mots de femme. Alors, nous avons Jessica England, donc qui nous a parlé un petit peu des endroits où elle a vécu. Donc, tu es née à Barbade, tu as fait des études en Angleterre. Et récemment, tu as tu as été actrice d'une cérémonie d'entrée dans la citoyenneté française. Mm-hmm. Tu es une nouvelle Française. Tout à fait. Explique-nous comment ça s'est passé. Donc, c'était donc à la préfecture. Tu mm-hmm. n'étais pas seule. Donc, je crois que tu étais aussi assez surprise de voir la diversité de personnes qu'il y avait là. Tout à fait. C'était encore une réflexion de la France, d'ailleurs, mm-hmm. de diversité de personnes qui ont réussi à faire tout ce procédure pour arriver au bout et devenir française. Mm-hmm. Je suppose qu'on a tous nos raisons différentes pour le faire. La mienne était déjà une grande... j'ai toujours aimé la France, la culture, le côté social, parce que nous, on vient des îles anglophones. J'ai grandi en Sainte-Lucie, la plupart de ma vie était en Sainte-Lucie. Mon père était un grand businessman, mais au même temps, bizarrement, extrêmement social, ma mère et mon père. Et en conséquence, ils étaient un peu différents du reste de la société parce qu'ils n'entraient pas dans les milieux qu'ils devraient en tant que business people, on était toujours concernés par le social. Et le social en Sainte-Lucie, c'est quelque chose, les aides sociaux et tout ça n'existent pas. Il y a des grandes différences avec ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et je ne sais pas, c'est un pays qui est difficile à vivre si on a cette fibre sociale que tu qualifies de française finalement. Well, en venant en France, c'est ça qu'on a trouvé. On a trouvé une société qui pense de sa population, qui s'investit, que le système médical est tellement bon, l'aide aux gens qui n'ont pas est fantastique. Juste l'anecdote, quand on est venu ici au départ et on sillonnait un petit peu le pays pour découvrir la Martinique, on voyait des énormes bâtiments, mais dans des endroits assez bizarres, vraiment en pleine campagne. Et on disait, mais ils sont bizarres. Ils construisent des hôtels, mais dans des coins tellement étranges.
Et finalement, on a compris, ce n'était pas du tout des hôtels, oui. c'était du HLM. Oui. Et ça nous a... On était complètement époustouflés, oui, oui, parce qu'en Sainte-Lucie, il y a une seule HLM qui est construite, et c'est au centre de Castries, ça s'appelle le CDC. Et c'est un bâtiment qui est vraiment... Enfin, un peu ancienne, oui, oui, oui. Délabré, oui, délabré, beaucoup d'amiante apparemment parce qu'elle est très âgée. Et il n'y a pas d'aide. Les il gens se pas... débrouillent, quoi. Alors que là, tu parles du logement social, qui fait l'objet d'une vraie politique avec des acteurs qui sont identifiés, qui mettent de l'argent sur la table pour que les gens aient accès à des loyers modérés. Parce tout que HLM, c'est loyer, c'est habitation, loyer modéré. Oui, et il n'y a pas que ça. Et les gens qui n'ont pas de boulot, qui sont aidés par l'État, bon, il y a des mauvais côtés. Hein. Il y a... C'est quoi les mauvais côtés pour toi? C'est l'assistanat, il y a des gens qui pensent. Exactement. C'est parce qu'en Sainte-Lucie, si tu n'as pas de boulot, tu n'as rien. Si tu n'as pas de boulot, tu ne peux pas t'en occuper de tes enfants. C'est et comment les gens vont? Ils sont très débrouillards. Ils trouvent des solutions. On apprend la débrouillardise. Tout à fait. Et j'ai fait mes études en Jamaïque. C'est exactement le même. Voilà, c'est les îles anglophones. Mais tu disais qu'il y avait quand même beaucoup d'inégalités, comme ici d'ailleurs. Il y a beaucoup d'inégalités. Ah oui, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Mmh. Ici, au moins, bon, il y a un certain niveau de pauvreté ici, c'est vrai. Mais c'est quand même, voilà. Autant. 30%, mais selon les critères français, j'ai envie de dire, mais 30% de gens vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Oui, j'aurais pas pensé que c'était 30%. Autant. C'est énorme. Et encore une fois, c'est relatif. Et tu as par exemple beaucoup de gens qui sont à la retraite, qui sont beaucoup, qui sont majoritairement des femmes, mais qui sont pauvres. Oui. Ils sont pauvres, vraiment. Oui. Qui vivent au-dessous des minima sociaux. Alors, peut-être que ce ne sont pas les mêmes niveaux que Sainte-Lucie ou bien qu'en Jamaïque, clairement. Voilà. Là, on est en train de comparer des choses qui sont peu comparables. Oui. Quand on dit il y a les professeurs à l'université en Jamaïque gagnaient le SMIC, en fait. Les professeurs à l'université, des gens qui sont reconnus, réputés dans leur discipline. Et c'est ça le niveau de leur salaire. Oui, oui. So, on est à deux niveaux complètement différents. Oui. So, voilà, so, on dit 30% en dessous du seuil de pauvreté, oui, mais peut-être peu comparable. On a un super hôpital, Sainte-Lucie, on sait qu'une des clichés, c'est peut-être pas le mot, de le tourisme Sainte-Lucie, c'est qu'on a un hôpital de standard. C'est la note, c'est la note. Voilà. Et c'est la chume. Voilà. Qu'on décrit ici, qu'on dit, ouais, il part bon, il faut améliorer, il part bon, mais Sainte-Lucie fait de la pub. En disant, venez, on a un super hôpital à 40 km. Voilà, c'est effectivement ça. Alors, on était tellement contentes d'être ici. Mais comment tu es devenue française? Tu l'es par mariage, c'est ça? Non, pas du tout. J'ai gardé ma nationalité anglaise jusqu'à. Je n'avais pas besoin de faire autrement. Mm-hmm. Mais ce n'est pas le besoin aussi, c'est l'envie aussi d'être française. Mais il y a eu le besoin qui s'est créé par Brexit. Parce qu'avec ça, je n'étais plus européenne. Et ça m'a beaucoup énervée, comme beaucoup de gens anglophones. Des Anglais qui sont à l'extérieur, qui n'avaient pas le droit de voter. Nous, on n'avait pas le droit. Pourtant, nous, on est les plus concernés, les Anglais qui habitaient en France, qui habitent en Europe, qui habitent à l'extérieur d'Angleterre. Et ça nous a beaucoup énervés. Et ça m'a beaucoup énervée. Alors finalement, je me suis dit, mais je veux devenir française parce que j'adore beaucoup de la culture, la société, la politique de la France. Et voilà, j'ai décidé d'entamer la procédure qui était long. Donc c'est quoi, c'est naturalisation par c'est quoi, naturalisation par mariage, par mariage, parce que mariage. Ça fait, Et que c'était long comment, c'était long comment? Oh, c'est long. La quantité de documents qu'il faut fournir, tout se traduit évidemment en français oui, parce que temps, voilà, il y a tout ça, mais il y a aussi des étapes où on est interrogé par une dame, mm-hmm. très gentille dame d'ailleurs, qui nous invite en tant que couple, parce que c'est par mariage que j'essayais de devenir française. Et il y a toute une procédure d'apprendre les valeurs, mm-hmm. tous les signes les plus importants de la France, liberté, égalité, France, you know, la Marseillaise, tout ce liberté, genre de choses. Fraternité. La géographie, l'histoire un peu, la politique, la façon dans laquelle le système politique est construit. Et moi, je trouve ça fantastique, qui nous oblige de s'intéresser à un niveau. Et tu as des tests. Oui. Okay. Tu as un test écrit et après, on est interrogé à part,
mari-femme, et après, ensemble, pour voir est-ce qu'il y a une relation entre les deux, les deux personnes qui se présentent. Est-ce que c'est un mariage arrangé ou pas? Oui. Et c'était étonnant d'entendre les anecdotes de cette dame qui disait qu'il y avait des gens qui arrivaient, qui étaient clairement, il n'y avait aucune relation entre les deux personnes. Mm-hmm. Heureusement, ce n'était pas mon cas. Et voilà, c'était une longue période, une longue, longue processus. Mais et, voilà. Et avant, donc, tu étais quoi, sur le territoire, mais avec quoi? Le permis de séjour qui était renouvelé? Well, au départ, mes parents avaient besoin. Mm-hmm. Et après, avec le European Economic Community, le fait qu'on était anglais, anglophone, on avait notre passeport anglais, on n'avait plus besoin d'un titre de séjour ou quoi que ce soit. D'accord. Pendant des années. Oui. Et puis, après Brexit, tout a rechangé. Oui, oui. Et j'ai dû avoir une petite carte de séjour qui me donnait le droit d'habiter ici pendant 10 ans, mm-hmm. qui est complètement... Mm-hmm. C'est impossible, parce que je suis mariée ici, je me suis investie depuis 30 ans, j'ai deux garçons qui sont français, que je suis aujourd'hui... je fais partie intégrale, je pense, de la Martinique en particulier, mais la France. Mm-hmm. Ça, c'était pour moi une étape nécessaire. Et importante. Et tu regardes un peu l'actualité, tu t'intéresses à la politique, tu disais. Oui. Comment tu juges, par exemple, ici, on sent qu'il y a une montée, en tout cas des idées, plus de pouvoir. Tu suis ça ou pas? Quoi, l'indépendance. Les gens ne disent pas l'indépendance, pas beaucoup. Il y a des gens qui me disent peut-être, mais c'est autonomie, pas. Autonomie, ils ne disent pas, mais plus de pouvoir. Il y a quand même une volonté d'affirmer sa culture, etc. Tu suis ça ou pas du tout? Oui, je suis. Qu'est-ce que tu penses? Je l'entends et je le comprends énormément parce que je viens de Sainte-Lucie, qui est une petite île indépendante. Oui. Et j'ai fait ma thèse d'ailleurs, j'ai fait mon MPhil en Jamaïque sur les tendances politiques à la Martinique entre décentralisation et le European Economic Community. Et c'était une sondage, basé sur un sondage où j'ai interviewé une centaine de personnes. C'était quand? Dans des... Ça fait un moment, d'accord. Une centaine de personnes. C'est alors. 86 ou 87 à peu près. Et ça m'intéresse énormément. Je voulais, à la suite, faire mon PhD, mon doctorat, en comparaison justement à ces tendances politiques avec la Caraïbe anglophone. Okay. Parce qu'on a pris deux voies extrêmement différentes et c'est hyper intéressant pourquoi, comment et quels sont les ressentis des gens des deux côtés. Et je comprends le besoin de s'affirmer et je comprends l'intérêt grandissant dans les îles à côté. Mm-hmm. Je comprends le besoin d'avoir plus de pouvoir de décision locale. Mm-hmm. Mais au même temps, je pense que la Martinique et la Guadeloupe ont été très pragmatiques et très intelligentes de demander, suivant Césaire et toute cette période de l'histoire de la Martinique, de décider de devenir français. Oui. Ils sont devenus français. Oui. Ils ont le droit de tout français. On est départementalisation 46. Oui. Voilà, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. C'est pas toi qui dirais le contraire maintenant. Pas du tout. Et ça, je trouve ça très intelligente et très pragmatique. De venir de ça à aujourd'hui demander un peu de spécificité, parce qu'on est quand même insulaire, on a quand même une culture qui est différente. On veut pouvoir aller à Sainte-Lucie, si c'est possible. Notre région, c'est quoi? Notre région, c'est une région caribéenne. Et c'est quelque chose que je comprends, parce que j'ai voyagé beaucoup dans les îles, et j'ai toujours trouvé que c'était dommage que la Martinique et la Guadeloupe n'étaient pas plus incluses. Même si je pense que votre décision d'être français était une décision fantastique et très intéressante, et il ne fallait pas faire autrement, je comprends quand même le besoin de vouloir s'affirmer un peu. Je vais poser une question vache à Jessica. Si demain, c'est politique fiction. Si demain la Martinique devient indépendante, Tu demandes à être naturalisée martiniquaise ou tu restes française? Question. Réfléchis. À la fin, je reviens vers toi. Vous voulez pas revenir à celle-ci? Bon, à la fin, tu réfléchis. Ah non, quel piège.
Revenons à Ma Tété, alors. Oui. Ma Tété, donc il y a ce projet de tiers-mieux. Tiers-mieux. C'est quoi ça, tiers-mieux? Alors, Ma Tété a effectivement, depuis 2018, a quand même bien évolué sur l'accompagnement. Donc il y a eu plusieurs actions d'aller vers les publics, vers la population pour exprimer et expliquer la prévention. Écouter les personnes. Et lors de ces cheminements, hein, il était important de comprendre que la population avait aussi besoin d'un espace, d'un lieu pour échanger avec Ma Tété. Alors Ma Tété avait commencé par un véhicule qu'on a appelé la Ma Tété mobile. Voilà. La Batmobile. Oui, voilà, Batmobile, mais Ma Tété mobile qui allait vers. Hein. Donc c'est aussi un van hein, qui a été aménagé pour justement accueillir. Toujours, l'a toujours et on déplace et on va vers des publics avec ce van pour accueillir et accompagner sur un espace dédié des personnes qui avaient, sur tous les territoires hein, de Martinique, besoin d'échanger. Et ces personnes-là nous ont exprimé hein, progressivement. Mais parfois, quand on est malade, on a besoin d'un endroit, on nous dit d'aller à Shellcher pour acheter un bas de contention, au Lamantin pour acheter une perruque. Je passe des exemples, mais un seul endroit, on aurait voulu se poser, dire effectivement, nous sommes dans un parcours de soins, on est fatigué. Là aussi, hein, la particularité du système, c'est qu'on n'a pas forcément une concentration de commerce spécifique. Oui, oui. Donc, on s'est dit, et c'est vrai que la présidente Nathalie Chine a beaucoup réfléchi, qu'est-ce qu'elle pourrait proposer, compte tenu de tous ces éléments-là, pour que la population soit mieux accueillie. Donc tiers, c'est une boutique mieux. Aussi. Donc ce sera aussi une boutique. Donc c'est un lieu où il y a de l'écoute, c'est un lieu où on aura des produits spécifiques. Où on aura un espace dédié pour être entendu, posé, avoir aussi une activité physique adaptée si on le souhaite, ou des activités manuelles, Mais c'est vraiment l'idée, pourquoi tiers mieux? Parce qu'on parle beaucoup de tiers lieux aujourd'hui, c'est aussi un concept qu'on a beaucoup développé. Mais le tiers mieux, c'est ça, c'est un espace où on a envie de se sentir bien, parce que quand on est dans un parcours de soins, on a surtout besoin d'être posé. Oui. Et de ne pas se déplacer pour chercher des choses. Juste une question, dans le parcours de soins notamment, est-ce que les femmes, tu vois, on a vu ce film qui faisait la différence entre la santé des femmes et des hommes. Est-ce que les professionnels de santé sont à l'écoute? Est-ce qu'il y a eu des progrès? Parce que j'imagine qu'il y a quelques années, ils n'étaient peut-être pas aussi bien sensibilisés. Est-ce qu'il y a l'écoute, il y a l'attention? Est-ce que les gens sont formés dans l'annonce, par exemple? J'imagine que l'annonce, c'est un moment, mais qui doit être extrêmement difficile à gérer, bien sûr pour la patiente, mais aussi pour celui qui va annoncer. Est-ce que c'est OK ou est-ce que là aussi vous faites un travail de sensibilisation des professionnels de santé eux-mêmes? Alors, il y a quand même une évolution dans l'annonce et même le parcours de soins en Martinique. Alors, certaines personnes font le choix de partir en France métropolitaine pour se faire soigner. Beaucoup de personnes restent en Martinique parce qu'il y a aussi une prise de conscience des professionnels de santé qu'il y a à mieux communiquer notre savoir-faire. On est quand même bien pris en charge en Martinique. Donc, les professionnels de santé sont quand même à l'écoute. Le parcours de soins est fléché, mais il doit être encore mieux communiqué. C'est surtout ça. Donc, il y a des supports qui ont été créés pour que l'information soit recentrée autour d'un seul document, autour d'un seul espace. Donc, la Ligue contre le cancer ou même les autres associations, on est là aussi pour expliquer qu'il y a la possibilité d'être entendu et écouté en Martinique avec des médecins. La question de l'annonce, c'est pour toi la difficulté. J'ai assisté encore à un spectacle il n'y a pas très longtemps, une personne qui sort de métropole et qui, on se dit qu'en France, on est dans un système où il y a effectivement un hôpital, où tout est centré, où il y a des hôpitaux dédiés au cancer du sein notamment. Dans le spectacle, elle évoque aussi, même si c'est un spectacle, les personnes qui peuvent annoncer de façon brutale des choses, les personnes qui sont effectivement avenantes avec nous, on a vraiment toujours, un peu de tout, mais c'est vrai qu'il est difficile aussi pour quelqu'un d'annoncer une mauvaise nouvelle. Oui. Dans tous les cas, donc soit on sait faire, soit on ne sait pas faire. Oui, on peut être formé. Et on peut être formé,
Il y a une formation à ça ou pas? Alors moi, je ne pourrais pas répondre sur ça pour, en tout cas, les professionnels de santé, mais en tous les cas, pour nous qui accompagnons les personnes qui sont malades, il y a une façon, effectivement, quand même, d'aborder la question. Il me semble, oui, qu'il y a un point, oui, il me semble qu'il y a eu, enfin, j'ai lu ça, il me semble qu'il y a un point d'attention sur précisément... l'annonce, en fait. Alors, oui. Il est important de bien annoncer. Alors, les professionnels de santé, de toute façon, ont été sensibilisés sur la question de l'annonce, de façon générale, mais pas que sur le cancer. Annoncer une mauvaise nouvelle ou même un décès, annoncer, c'est quelque chose qui fait partie de la formation de tout professionnel, même sociaux, des professionnels médicaux et sociaux. On a quand même une formation sur ça. Juste, en fait, je me disais bien que je l'avais lu quelque part, donc... Ça relève d'un plan cancer ancien, donc le dispositif d'annonce du cancer figurait comme mesure 40 du plan cancer 2003-2007. Donc je suppose que depuis, depuis, on a effectivement peut-être encore perfectionné les choses. Donc ça fait l'objet d'une attention spécifique du point de vue, enfin, dans la perspective du personnel de soins, en fait. Mais de toute façon, quand on est en situation d'être... Enfin, quand on est malade, quelle que soit l'annonce et quelle que soit la manière d'annoncer, ce sera toujours difficile à entendre et voilà. Donc, en tout cas, Matt Hété, vous êtes là aussi. Dans ton cas, ça a été ça, c'est-à-dire pour accueillir la personne à qui on vient d'annoncer, pour essayer de permettre de mieux atterrir, peut-être. Voilà, l'atterrissage est toujours... Chacun vit ce moment-là, voilà, avec son vécu, avec ce qu'il a pu s'imaginer aussi. Et c'est toujours difficile d'entendre le mot cancer parce qu'on imagine toujours une fin ultime, alors que, enfin voilà, Barbara l'a annoncé, on guérit du cancer du sein. Femmes sur 10 guérissent. Il faut se faire dépister. En fait, l'essentiel, c'est d'être dans la prévention, être attentif à ce qu'on peut ressentir et aller. Après, il n'y a pas d'autre choix que d'aller quand même vers le médical et se faire diagnostiquer. Voilà. Donc. Et alors, quand on est en parcours de soins, je veux dire, on continue à faire du sport. Toi, d'ailleurs, à Matt Hété, c'est ton dada. Il ne faut pas juste dire « Ah, je suis malade, donc j'ai la chimio, j'ai la radiothérapie, je reste là, je ne fais rien. » Non. Non. Le sport, l'alimentation... Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est malade? C'est quoi tes recommandations? Alors, les recommandations de Matt Hété, mais qui sont aussi les recommandations nationales, mondiales, c'est qu'il faut avoir une activité physique adaptée. Le mot est important, on dit plus sportive, une activité sportive. On est vraiment sur l'adaptation de ce qu'on peut faire en fonction de son état de santé, de ses capacités. Il y a des personnes, alors moi j'ai été aussi dans un parcours sportif très intense à un moment dans ma vie. Donc le sport intense, c'est quelque chose d'important parce que les cellules, justement, ont besoin d'être de bonnes cellules quand elles se reproduisent. Après, il faut faire du sport intense? Pas forcément intense, mais il faut en faire. D'accord. Alors, il y a des personnes qui marchent 2 heures. Enfin, pour moi, marcher 2 heures, enfin, moi qui ai fait du sport intense, c'est quand même... C'est long. Enfin, mais ça peut être long. Ah oui, ça peut être long. Parce que quand on est en parcours de soins, on se sent fatigué. D'accord. On n'a pas forcément l'énergie. On est plutôt immunodéprimé. Donc, il faut vraiment... se motiver ou avoir des personnes dans notre entourage qui motivent. Donc là aussi, Matt Hété vient en soutien. Une personne qui habite dans un secteur donné, je n'ai pas trop envie d'aller marcher, eh bien, viens, moi j'habite là, je viens là et on va marcher ensemble, même si c'est 30 minutes. C'est un réseau qui se construit et qu'on essaie de conforter, de consolider. Oui, c'est important. Le sport et puis l'alimentation, effectivement. Oui, l'alimentation. Et pour les deux situations, c'est à tous les moments du parcours. Avant le parcours, il faut faire attention à ce qu'on mange, pendant et puis aussi après. Est-ce qu'il y a des interdictions, Marie-Christine? J'ai l'impression qu'on ne dit pas, on dit oui, vous pouvez manger ce que vous voulez. Non, est-ce qu'il y a des interdictions? Tu es dans un parcours de soins du cancer du sein, est-ce que tu as des interdictions alimentaires? Il recommande d'éviter tout ce qui est sucré, de toute façon. Le sucre, c'est le carburant du cancer. Donc, éviter le sucre, éviter trop gras, trop salé, de toute façon. Les fruits, les légumes. Il faut éviter? Il faut les manger. Ouais, okay. On évite trop les protéines, trop de protéines. Ouais. Avoir une alimentation équilibrée. Oui, mais le dire, si tu veux, c'est trop vague, quoi. Je trouve qu'on est très machin. Oui, équilibré. C'est quoi équilibré? Faut manger des fruits, des légumes, faut manger des haricots verts, faut manger des légumes pays. Qu'est-ce qu'il faut manger, quoi? Alors, et surtout, qu'est-ce qu'il faut pas manger? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Alors, le pas est surtout, pas le sucre, pas le sel, pas trop gras. Après, ce qu'on peut manger, c'est aussi en fonction de ce qu'on peut garder. Hein.
oui. quand on est aussi en traitement. Il y a des personnes et puis des goûts parce qu'on perd les saveurs. Oui, oui. On perd... voilà, après, on a, parfois, on a plutôt tendance à aller vers le sucré parce qu'on se dit, on sait que c'est sucré et on sait que justement cette saveur-là... Oui, mais c'est pas bon. Va, mais c'est pas bon. Oui. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que... On est obligé d'avoir le discours manger sainement parce oui. qu'on aura tendance à aller vers ce qui n'est pas bon parce qu'on recherche une sensation, une saveur ouais. qu'on a perdue et qu'on n'a pas. Donc, non, c'est important de le repréciser. Oui. Petit retour sur la cérémonie, là. Comment tu t'es sentie? Parce qu'on a parlé des valeurs, on a parlé des thèses, de tout ce qui a précédé. Tu as dit que c'était long, mais la cérémonie elle-même, comment c'était? Ça s'est passé en combien de temps? C'était à la préfecture? Oui, c'était relativement court. C'est vrai? Relativement court. Il y avait une petite vidéo sur les valeurs républicaines. Avec la Marseillaise? Oui, la Marseillaise. Il fallait tous s'en soulever. Et tu connais tout? Non, je ne connais pas tout. Tu connais pas tous les coupés. C'est un chant guerrier, en I plus, know, dans les sillons. C'est assez sanglant. C'est très sanglant. Assez, hein, ouais, c'est très sanglant, oui. Enfin... bon, à part ça, c'était sympa. Je pense que c'était émouvant. Émouvant, oui. Émouvant de voir les gens, tous les gens différents. Que j'imagine, on suivit ce même parcours oui, qui est long. Et d'arriver au bout, c'est juste un grand plaisir. Voilà, c'était sympa. C'est une petite cérémonie, mais sympa. C'est utile. Convivial, utile. Oui, je pense qu'il faut marquer le coup. Oui. C'est super bien que le préfet est là, qu'il nous serre la main de chaque, qu'on passe au moment, qu'on prend une photo du moment. On a un petit souvenir oui. du moment. Il nous donne aussi une sorte de classeur avec plusieurs... Bienvenue, une sorte de formulaire okay. de bienvenue pour dire merci okay. d'être nous ici. Nous comptons les autres. Voilà, exactly. Non, mais c'était sympa. Et après, j'ai fêté un petit peu avec mes amis. D'ailleurs, je veux le refêter bientôt avec... Okay. Je vais faire Double Trouble, les Anglais, côté anglais et côté français, ensemble. Et voilà. Super. À 5 minutes de la fin, quasiment, l'homme dont vous voulez parler, là, l'homme. Ça prend tout le monde de court, ma question, mais j'adore les faits. Je veux que tu me parles d'un homme qui a compté dans ta vie ou bien qui a compté dans ton cheminement. Peut-être que c'est un homme que tu as découvert à l'occasion de ce parcours vers la citoyenneté française. Marie-Christine rigole. Ah oui, non, mais la question piège. La question piège, oui. J'aime bien quand les gens ne s'attendent pas à ça. Un homme, le grand, le petit, le proche, le lointain, celui que vous avez lu, celui qui vous a marqué. Regarde-les, la tête en l'air comme ça. Mais il y en a plusieurs. Alors, mais on commence par le premier, alors. Jessica. Ce qui vient vraiment à ma tête en premier, je suppose que c'est mon père. Oui. Parce que, voilà, c'est lui qui a influencé toute notre enfance. On était très proches. Tout à fait. C'est un homme pour lequel j'avais beaucoup de respect. Il avait certaines faiblesses, on va dire. Mais voilà, d'abord mon père. Comment il s'appelle ton père? Mr. England. Oui, David England. Okay. Et après, je pense à plusieurs. Je pense en particulier aussi à George Gracian. Okay. Parce que c'était mon mari, en fait, c'est la famille Van Ajoux et la famille Gracian. D'accord. Et du côté de sa maman, son père, George Gracian, était le main droite pendant longtemps à M. Césaire. Et c'était un homme fantastique que j'ai connu malheureusement un petit peu tard parce qu'il était au début de son Alzheimer. Okay. Mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné avec tout ce qu'il a fait pour la Martinique, sa simplicité, sa défense de tellement de causes importantes. On pense qu'il était 13 de Basse-Pointe. Okay. Il était maire de Lamantin pendant longtemps, son discours sur le tombe des trois tombes. Et c'est quelqu'un qui a quand même, avec tout ça, il a gardé une telle simplicité qu'on en était avec lui autour d'une table déjeuner. Il était juste formidable, tellement instruit, tellement intéressant, tellement intéressé, très chaleureux. Et en même temps, tellement accompli dans tout ce qu'il avait fait. Alors lui, oui, il m'a marqué. Je pense que c'est la personne que j'ai choisie. C'est une question
C'est une question à laquelle tu ne t'attends pas, mais qui tu fais de très longs développements sur quelqu'un qui t'a profondément marqué. Mmh. Et puis grâce à toi, mais on connaît cette personne en fait. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui n'ont jamais entendu parler de Georges Gracian. Donc merci en tout cas d'avoir parlé de lui comme tu viens de le faire. Ce qui a laissé du temps à ta voisine d'en face, pour réfléchir, au moins une bonne minute. Marie-Christine, quel est l'homme dont tu vas absolument nous parler? Alors, des fois, certaines feintent disent une femme. Donc, OK, up to you. Non, je répondrai à la question. Tu relèves le challenge. Je relève. non, c'est vrai qu'on a, souvent l'image du père. Donc, mon père a une importance pour nous dans notre famille. Et surtout, quand j'entends mes frères en parler, il y a beaucoup d'hommes autour de moi. Je suis la seule fille. Il y avait ma mère et puis moi. Mm-hmm. Mais si vraiment je dois, parmi ces hommes-là, au-delà de mon père, parler de mes frères, mais je ne veux pas en faire des jaloux, j'adore mes 5 frères. Hein, quand ils vont regarder l'émission, je vous aime tous les 5. Mais mon frère est né, donc je crois que pour nous tous... Comment il s'appelle ? Rodrigue. Rodrigue Dufayal. C'est un modèle parce que c'est le premier à être parti de la maison, à aller faire des études. Il a un beau parcours aussi, on va dire, professionnel. Il nous a beaucoup inspirés. En tout cas, moi, il m'a beaucoup inspiré. J'ai aussi vécu avec lui pendant 3 ans quand je suis allée faire mes études à Marseille. Donc, je me suis encore rapprochée de lui. Et peut-être qu'il ne le sait pas, mais il m'a beaucoup inspiré sur mon parcours de vie aussi. Oui. Parce que c'est mon grand frère, on a 16 tu ans d'écart. Tu viens de la NISA ? Non, je crois que je fais une déclaration à la télé. Voilà. Rodrigue. Rodrigue, as-tu du cœur, comme dirait mon père. Vous voyez, je fais un peu les deux parallèles parce que mon père, c'était... Même en ayant perdu la mémoire, il récitait. Il avait l'humour aussi. Il avait l'humour. Rodrigue, as-tu du cœur? Ou tout autre que mon père, il continuait. Super. OK. Jingle, le mot de la femme. Moi, je ne m'en lasse pas de prendre les gens des trappes comme ça à la fin. Et tu crois que je t'ai oublié avec mon histoire d'indépendance? Le mot de la forme, le mot de la fin, ce serait quoi? Mais je te laisse continuer sur ça. Le mot de la forme, ce serait quoi, Jessica? Il nous reste 50 secondes. Pour finir, tu dirais quoi? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour finir cette émission, s'il te plaît? Que je trouve très intéressant et je te remercie beaucoup de recevoir des femmes. Parce que souvent, les femmes, justement, ne sont pas mises assez en valeur et on est là dans tous les contextes, on est... Partout. Partie intégrale de la société et souvent un peu à l'ombre, malheureusement. Et c'est très bien de faire ce genre d'émission. Et on a regardé l'émission précédente et je trouve de vous rencontrer, c'est fantastique. Et de voir les deux autres femmes avant, des femmes fantastiques, intelligentes, intéressantes. Et moi, je trouve ça merveilleux. Génial. Thank you very much, Jessica. Le mot de la femme, ouais, ce serait quoi? Femme d'Ubout. On est des femmes, debout et je crois qu'il faut qu'on puisse justement l'affirmer haut et fort. Je suis militante et je le resterai et jusqu'au la femme bout. Jusqu'au bout. Voilà. Donc, moi, mon mot de la fin, donc, c'est allez vous faire dépister, mesdames, notamment parce que dans certains cas, c'est gratuit. On vous a dit 9 cas sur 10. Donc, un cancer du sein détecté dans 9 cas sur 10, il est guéri. Donc, allez faire cause de dépister. Donc, bravo à toutes les associations qui œuvrent dans le cadre de Octobre Rose. Et puis, bienvenue. Bienvenue. Merci en tout cas d'avoir été sur ce plateau, Marie-Christine et Jessica. On a passé un bon moment. Merci pour tous vos témoignages. Merci à vous de nous suivre avec fidélité. Donc, Zitata forme le mardi à 21h05. Je vous retrouve pour un prochain épisode avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Bye bye. Merci. Bye bye. Au revoir. Femme.